Attaque! On y va! Dans presque 21 000 viewers, Carl Junior soulève son deuxième titre! Vous savez de quoi il s'agit? Les pages jaunes! Putain, ça me fait l'air! Ils ont... Ils sont dans de chez moi. Oh putain! À l'aide! À l'aide! Son père! Voilà. Donc on rappelle, donc jeu mobile. Par contre, calme-toi le jeu, par contre. Le jeu là. Donc jeu mobile! Je connais des gens qui ont mis beaucoup d'argent. Un viewer que j'embrasse qui s'appelle Yatokami qui a mis plus de 2000 euros dans le jeu. Ah oui. Et c'est la nullité. C'est nul parce qu'il y a, genre, il y a pas de on le salue hein, s'il nous regarde. On évidemment. L'embrasse, mesdames et messieurs. Tu pues bien la merde avec voilà. toute ta thune. Alors, Belladéon, c'est qui? C'est le mob qu'ils ont en face, celui que tu joues d'ailleurs là. Le mieux, on peut, ce qu'on peut tenter. Quoi? Quoi? Belladéon, c'est qui? Lui? Oui, c'est. Ah, t'as la pub. J'étais en mode. C'est quoi? C'est lui? Lui. Non, 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 ouais, c'est lui. Oh, ça oh, wow. Oh, elle est violente. Oh, waouh! Break def! Into! Encore oh, oui, oui! Break def! Ouais! Il faut le skip 3, ouais, ouais! Il oui, oui, là, c'est bon. Par contre, là, fais pas le skip 3, allez. T'es poursuivi sa gueule! C'est la fin, peut-être, allez. Parce qu'il va mourir! Oui! Oh, il rejoue! Et vas-y, non, bah, ici maintenant. Voilà, parce qu'elle est stun, c'est chiant. Et moi, là, je fais la summon session, pas parce que ça me branche, juste parce que j'ai vraiment envie d'invoquer Zeros. Si tu me l'invoques, je te pipe en live. Regarde ce que vient d'écrire Fukano. Mec, il vient d'écrire ça. Genre, tu l'as dit, t'as levé la tête, Fukano, je venais de l'écrire. Oh, quoi. Putain, genre, mais... c'est incroyable. Ouais, mais c'est parce que. Genre, je le lis et toi, t'es en mode. Non, mais alors là, c'est sûr. On est tellement connectés avec Fukano. Okay. Waouh, super, en serpentant. Merci, Zerator. Mais de rien, mec, c'est normal. Alors, en gros, le ratio qu'on essaye d'avoir, ce qui est complètement aléatoire, hein, ce qu'on dit, c'est. Oui. C'est libre arbitre. Mais on essaye d'avoir une étincelle, enfin des étincelles pour 10 vélins, tu vois. Donc, on devrait en avoir 5. Donc, on devrait en avoir 5. Ouais. On devrait en avoir 5. Ouais, à 50. Peu près 5, ouais, voilà, c'est ça. Si on peut, dans le ratio. Très bien. Ce serait bien. Bon, Zerator. Voilà, c'est 0 pour l'instant. Il suffit d'un. Il suffit d'un. Bon, là, il suffit de. Pour l'instant, il suffit de 12, quoi. Là, pour l'instant, ça fait. Pour l'instant, c'est pas. Le ratio est pas vraiment respecté, quoi. Ben, c'est quand même 100 balles, bon. Ça me fait mal au cul, quoi. Normalement. Il suffit d'une étincelle, Zerator, et tu peux me faire vibrer. En tout cas, là, on a. Tu sais qu'on a pas fait quasiment la moitié des vélins et il m'a rien invoqué, quoi. Je le déteste. Mon dieu, qu'est-ce que je souffre. C'est des pires simotes. Mec, on va établir un nouveau record. Ceci est historique. Attention, 50 vélins. Le 7. Le numéro 6. Oh, et toujours pas l'étincelle. Je meurs. Je sais pas si c'était le bon jour pour invoquer. Le numéro 5. 5. Bon, là, c'est la transition, le vélin légendaire. Moi, je ne regarde pas. Je découvre après. Ah ouais? Ouais. Tu me dis quand tu vas invoquer. Alors, moi, j'invoque et je regarde avant toi, ok? D'accord, vas-y, je regarde. Vas-y, regarde pas. J'invoque. Je suis en mode, il y a des étoiles. Waouh, excellent. Alors, c'est. Je regarde. Attends, j'attends de voir le chat avant de te dire. D'accord. J'attends de voir ce que dit le chat. Ça va être là, full shit. Le chat, vous en pensez quoi? Ah, il y a des rips qui commencent à s'afficher. Apparemment, c'est pas. Je pouvais pas faire pire, il m'a dit. Mais non, arrête, c'est pas vrai. Mais attends. En tout cas, on peut pas arranger quelque chose là. Grave content d'avoir un chevalier magique, quoi. Morceau d'invocation, c'est quoi ça? On peut pas faire des trucs. On peut pas faire des trucs. Un vélin inconnu, peut-être, je sais pas. Regarde, grâce à moi, t'as quand même un putain de Buglux bleu. Un slime niveau 1 vénère un peu, mais bon, c'est pas. Ça va, non? J'aime bien. Zera qui espérait pendant que j'étais comme ça, lui t'as. Les gars, est-ce que c'est bien? Chevalier magique. Non, putain. En vrai, tu m'aurais eu le haut, wow. J'aurais été déçu de ouf quoi.
qu'est-ce que tu fais là? Mais il va en train de me fouler. Ah mais oui, c'est vrai, ça te met des emplacements. C'est dégueulasse. Putain, je le sens pas. J'attends un peu les gars. Je Zera, fais pas le con. Bon, celle-là, elle est pour ta chaîne, hein, parce que ce sera pas monétisable. Donc, c'est quand? C'est bientôt, c'est quand la meuf va parler là, elle va nous saouler là. Ah ouais, ouais. Les gars, donnez-moi votre énergie, s'il vous plaît, pour le Ameno, le légendaire Zerator, 4 félins, indétrônable, l'incroyable, l'unique, le seul, je te dirai go mon pote. Attends, c'est bientôt, ça va bientôt arriver, c'est pas mal. Ah oui, c'est après ça, dès que l'on passe au refrain. Et je vais fermer les yeux, donnez votre puissance. Oh putain, attention. Je crois que c'est là. C'est là! Allez! Ça a cliqué! C'est bon! Attention le chat, préparez-vous! Je ne veux pas voir! Ah non, c'est pas dingue! Ah, je crois que c'est pas dingue! Oh, t'as cassé mon délire! Je regarde. Attends, j'attends de voir le chat, ok? Je regarde pas. Mais ça a pas l'air dingue! Ah non, regarde pas! Ça a pas l'air dingue, hein! Ça y est, il y a le chat, ça a pas l'air dingue. Ah non, si, c'est ouf. Quoi? Mais si, c'est ouf, mais j'en ai déjà deux. Ah, mais c'est Xari. On a invoqué Xari. C'est Xari. Mais oui, c'est Xari. Le petit Xari. Mais oui, mais c'est Xari. Bah c'est super, merci à toi. Alors on accélère bien sûr dans la défense, dans la descente, pardon, parce que dans la défense ça ne veut absolument rien dire. La course est longue, on peut encore y arriver. T'as tellement de talent, je t'admire. Qu'est-ce que ça veut dire? À la course de tracteur, bien sûr. Merci à toi, Skok. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés hein, à avancer avec ce tracteur frolique. Hein, le sponsor qui n'a pas renouvelé le contrat l'an prochain, malheureusement, ne pourra pas bénéficier de ces sommes absolument incroyables. Ouais, salut, on a oublié de klaxonner la foule. C'est pour ça aussi. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'utilisation de klaxon et c'est important, le soutien des fans. Hein. Ah, mais j'ai compris! Comment tu as fait ton fond vert? C'est à force d'éternuer entre tournants. Après tout, ça t'a évité d'en acheter un. Il n'y a pas de petites économies. T'as raison, Playmoule. Évidemment. Tu connais la différence entre une moule et un pullover, bien sûr. C'est pour ça que tu t'appelles comme ça. On y va, on recommence. On va voir si maintenant on est boosté à l'infini. MDR, ce commentaire est digne des JO toujours au top. Morrigan, du calme. Calmez-vous. Alors! Eh oui, ça c'est ce bon vieux Bernard. Alors Bernard! Ouais, tiens, casse-toi. Oh merde, il est plus lourd. Il nous faut un lapis pour faire le théorie crafting FMC. Invoquez-le, lance l'invocation de lapis. Cliquez sur le portail. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, oh, oh, on le transporte dans notre remorque technique bien connue, évidemment, développée par Zerator FMC 214. Allez, on maintient la touche T pour que dès qu'il y a une botte à lâcher, bam! Et vous avez vu? On commence déjà à récolter alors que la botte est lâchée! Mais non! Mais alors ça, c'est abusé! C'est abusé tellement c'est PGM! Mais non! Mais c'est incroyable, j'en reviens pas que ça arrive à un joueur, à inventer le joueur français. Regardez, il récolte alors qu'il a déjà lâché, regardez! Il a déjà récolté un certain nombre de barres. Mais alors là, technique évidente de speedrun sur ce jeu. Le labourage du champ de patates, c'est quand même une grande spécialité du joueur français sponsorisé par les croquettes pour chiens, logique en même temps, pour les petits nonos aux patates. Hein, vous le savez, qu'on a des goûts, hein, des arômes naturels, évidemment, dans ces croquettes, même si... Eh bien, les fabricants de croquettes n'avouent jamais qu'ils mettent en fait de la cocaïne pour rendre les animaux complètement accros à ces friandises. Hein. On le sait, vous avez déjà donné une friandise à un animal, vous avez vu comme il a pété un câble et comme ses yeux se révulsent. C'est parce qu'en fait, il y a évidemment du sucre et de la cocaïne, c'est évident. C'est évident. Tout le monde sait ça, voilà, inutile d'en faire tout un pataquès alors que tout le monde connaît déjà la vérité. Donc on continue bien sûr sur ce champ. C'est parti. Il y a un DLC, achetons le DLC. Donc New York Taxi Simulator plus Traffic Bundle, c'est 8€. Et rien que pour la musique, franchement, ça les vaut. Les bassistes, franchement. Et les guitaristes. Synthétiseur. Franchement. Les trompettes. Enfin les trombones. Bon bref. On peut klaxonner? On peut pas klaxonner. Malheureusement. Je suis à contre-sens, réaction trottoir.
Mais non. Ah. Ah non, c'est bon, j'allais dire encore un jeu où les poteaux sont indestructibles. Formidable. Ça tombe bien, j'avais besoin d'un lampadaire chez moi. Alors c'est formidable. Je suis très content. Ah. Mais les gens conduisent comme... Enfin, ils conduisent n'importe comment. C'est n'importe quoi cette ville. Ah. Alors ça, c'est la vue la plus immersive du monde. Merde, par là. Attention. Oh putain. Une autre vue. Oh ouais. Excellent. Ah mais ça c'est super pratique ça. Ah pardon. Petit intérieur cuir, moumoute sur le volant. Ah quoi? Vous avez votre permis dans une pochette surprise? Alors, déjà, y a pas de permis dans les pochettes surprises déjà. On voit que t'en as jamais mangé. 5, 4, 3, 2. Oh, on est passé derrière la map! On est passé derrière la limite de la map! Parce qu'ils ont pas pensé qu'en passant sur le trottoir, on pouvait glitcher leur limite! Vite! Le test ultime! Ma spécialité! Oh, vite! Oui! Oui! Champions, my friend. Ta-da. We'll keep on fighting till the end. Ta-ta-ta-ta-da. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. On est quand même en train de chuter à 1200 km/h. Regardez mes km/h. 1500 km/h. Il est parti pour battre le record. En avant, la chenille. La chenille magique. Et hop. La chenille, hop. 1800 km/h, c'est plus. Allez, on va atteindre 2000 km/h. Et puis ensuite, ce sera terminé. Eh, hey, 2000 km/h, c'est pas mal pour un taxi en chute libre. Ouais, bon, allez. Ah. Non, avance. Tu sais pas conduire. Avance. Et l'autre qui m'a foncé dessus. Vraiment les taxis hein, tous des cons. Et oh, what the fuck is that? Ah ok, c'est le plus gros qui gagne, c'est ça. La loi du plus fort, bel exemple pour la jeunesse. On est dans la jungle, c'est ça. La jungle new-yorkaise hein. Réussir par tous les moyens, être un requin, écraser les autres. Ah. Épisode 36 du Let's Play de New York Bus Simulator. On teste les limites. Allez. Oh, ça va bien, oui. Il y en a qui travaillent ici. Oh, pas le Louise. Je peux accélérer encore. On fait vrombrir le moteur. Allô, chérie. Mon bus aura du retard. Ah, on voit qu'il tombe de plus loin déjà. Un bus asthmatique, des piétons clonés, des rues quasiment vides dans une ville fantôme. C'est un jeu d'épouvante. Exactement, Kokotawa, tu as tout à fait raison. En fait, c'est Tronçonneuse Simulator. Bon, la vue interne, ça donne quoi? Ah, le vomi. L'aiguille qui fait des tours de compteur, qui pète un câble. Vous remarquez qu'on entend quand même le vent parce qu'on tombe. Donc les développeurs avaient prévu que si on atteignait les 1500 km/h, il y aurait du vent dans la bande sonore. C'est quand même cool, non? Et nous sommes en infraction actuellement. Ah non, plus maintenant. Ah si, maintenant là on l'est. Là on l'est plus. Là on l'est. Donc moi je trouve ça cool. Oh, on voit le bus de très loin, regardez. C'est génial. Là je vais à combien de km/h? 3100 km/h. La minimap pète un câble. Voilà. Je vais d'arriver, il se passe quoi? Quoi, ça se voit pas? On teste un jeu de simulation de bus à New York. Pff, ça me saoule ça. Ça me saoule les gens qui voient pas quoi.
La carte qui pète un câble. Tu vas peut-être croiser un parapente dans pas longtemps, mais c'est normal, NP. T'as mis ton clignot. Ah oui, hop, j'ai mon clignotant. Voilà. Formidable. Clignotant gauche plutôt. On peut mettre les deux. On atteint les limites. Alors musique, je le lance d'abord, je le mets en fenêtre et tout, j'attends, donc calmez-vous, attention. Ok, là il y a les écrans des éditeurs, évidemment il y a trois. Je sais que chez vous, vous êtes en mode, c'est quoi encore cette merde? Il y a du délai dans la... Attendez! C'est de la bombe cette musique, franchement. Et je veux bien te faire la truie parce que mesdames et messieurs, nous allons jouer évidemment à Farming Giant. Ce violon didacticiel. Bienvenue dans le jeu de gestion le plus incroyable de tous les temps. Farming Giant, 10€ sur Steam, vous n'en reviendrez pas. Un jeu dynamique, un jeu d'un studio de jeu indépendant qui fait de la simulation et de la gestion d'une ferme. Oui, vous ne rêvez pas. Solo. Non mais sans deck. Ce violon didacticiel. Ce bouton permet d'ouvrir la vue globe afin d'afficher toute la carte à grande échelle. Waouh! Où suis-je? Gare du Nord? Pas du tout. Où suis-je? Paris, Berlin. Ah d'accord, ce sont les villes. Paris, Berlin. Berne, Avignon. Pas du tout. Gare du Sud. Pas du tout. Il se trompe. Eh ben, il savait faire du code, mais il savait pas être bon en géographie. La musique en boucle qui bug, c'est horrible. Ah ouais? Ah merde. Peut-être là, ça va débugger, non? Mais pourquoi je suis en fenêtré déjà, là? Je devrais être en fenêtré plein écran. Ah oui, fenêtré, non. Plein écran, fenêtré. Calmez-vous. Bon, la musique, attendez. J'enlève ça, c'est vrai que c'est bugué, c'est chiant. Volume principal des musiques. Mais pourquoi? On va voir si ça continue de bugger. Ah putain, j'ai rien acheté. Non. Délai de 20 secondes est expiré. Putain. Bon bah tant pis. J'aurai masse argent au deuxième round. On va voir si ça continue de bugger. Si ça s'arrête de bugger, on arrêtera mais... Ouais, ça continue de bugger, j'ai l'impression. J'ai des cheveux qui se coincent dans mon casque, ça me tire les cheveux. Je suis hyper capillosensible, c'est hyper gênant quoi. Franchement, je suis hyper vénère. Voilà, alors. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Xalazat? Pour régler ces problèmes de drop, tu proposes quoi comme méthode approuvée par des scientifiques après ouvrir la fenêtre la plus proche et le truc du micro-ondes? Je te propose le déménagement. Pour changer de connexion. Non mais, messieurs les étudiants qui se plaignent de leur connexion. Vous êtes étudiants, bon sauf si vous êtes en résidence étudiante et tout. Choisissez votre appart. Ah ça suffit, on peut parler. Choisissez votre appart en fonction de la connexion internet. Franchement. En plus, il y a plein de résidences étudiantes qui se mettent à être fibrées maintenant. Mais il y a aussi plein
d'immeubles dans lesquels il y a des fibres et tout, ou des bons VDSL. Donc quand vous, franchement, quand vous commencez à chercher des apparts dans une ville et tout, le prenez pas en fonction de la proximité de la fac, la proximité de je sais pas quoi, mon cul. Non, vous allez sur des groupes tests, vous mettez l'adresse. What the fuck ? Vous mettez l'adresse de votre logement. S'il y a une connexion de mort, vous prenez pas, c'est tout. Et vous dites à l'agence, désolé, mais d'après l'ARCEP, je ne peux pas. Je ne peux pas louer votre logement. Voilà. Ça me casse les couilles, je l'avais touché. Ah, mais ils sont passés de l'autre côté. Ah, mais c'est de la merde. Ah, mais c'est de la merde. C'est comme ils ont casualisé ce saut, quoi. Oh. Oui. Non. Non, non, c'est dégueulasse, je t'avais vu avant. Aïe. Calmez-vous. C'est pas lui qui m'a tué en fait. C'est pas lui qui m'a tué. En fait, j'ai commencé à lui tirer dessus et je me suis dit non, je vais sortir mon Zeus. Et là, j'ai sorti mon Zeus. Et je suis mort. Mais c'est pas lui qui m'a tué. Ok. Encore. Nourrissez-moi. Moi. Je recule accroupi. Ça y est, je suis arrivé à la limite. Oh, ça arrive. Le mec jette une Bonsoir. Le mec jette une hachure en mode ça va me protéger. Vas-y, tue-le, comme ça tu prendras la. Non, je voulais qu'il tue mon pote. Comme ça il aurait pris la confiance. Mais pourquoi c'est moi qui meurs alors qu'il y avait un mec juste avant et tout. Et tue-le. Putain, ils ont même paralysé. Quelle bande de caca humain! Y'a un mec à gauche sur le. Push to start descent! Bon bah go hein! Je crois qu'on y va! Ça va s'ouvrir, ça va être trop classe! Warning! Warning! C'est fort! Ça va? Ouais, ça va! Oh! Your descent will begin in 3, 2, 1. On y va? Oh, go! 1, 2, 3! Wouhou! Ah, voilà une vraie map! Oh, c'est grave classe! J'ai l'impression d'être. J'ai pas le temps de lire! J'ai l'impression d'être dans une vidéo GoPro! Ça y est, Nad, merci pour ton don! Ah! Non, c'est pas où? C'est par là? C'est par là? Je sais pas! Wouah! Elle est pelleteuse et tout, mec. Wouah! La musique est trop bien. Tu joues en F5? Non, je suis en F1 là. Dans F5, joues en F5, là. C'est plus cool. C'est plus dur, mais c'est plus cool. Ah bah, ils ont bien aménagé les souterrains en tout cas. T'as vu? Y'a masse truc. Oh putain de merde. C'est par où? Ah! Je sais pas, mais moi je vais tout droit. J'ai. Je suis mort. En fait, j'ai l'impression que la map commence à cet endroit là. Les vraies difficultés commencent ici. Ah putain, faut que j'arrête de regarder le chat. Oh, au secours, l'explosion. Au secours, au secours. On va dans les anneaux verts. En vrai, des fois, je fais des trucs et je me dis, putain, j'ai fait ça. Genre. Peut-être qu'on sent des grimaces. Non, je passerai pas là-dedans. Vous pouvez crever. Wow! Oh. Oh mec, je suis arrivé tellement loin. Ah. Oh. Ah, oh, je sais pas où il faut aller. Zugude, au secours. Non. Non. Oh, je suis arrivé. Oui. Oui. Ah, oh, je suis trop content. Mais genre tu l'as pas pris, c'est tellement cheaté. Oh, j'ai failli foncer dedans quoi. Noo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 
Je me suis pris mon propre missile. Quel infini. Quoi? Adieu. Fait, là. Quoi? Oh, c'est abusé. Il cheat. Quoi? Oh, what? Mais what the fuck? Ok. Non, mais je pouvais pas parce que je devais. Attends. C'est pour ça que j'utilise maintenant. Oui, mais non, parce que. Non, attends, je. Mais attends, t'as raté mon. Mange ma caisse. Quoi? Quoi? Moi, je t'ai fermé la grille. Quoi? Mec! What? What? Non, mais ça, c'est abusé par contre. Là, c'est ma peur de cul. Hein? C'est par là. Oh, j'ai failli gagner en pique. Peekaboo. Ah, mais tu l'aimes j'aime bien celle-là. Passages. Ouais, ah non, là, c'est bien. Non, c'est pas par là. Non. Oh, il m'a touché. Faker. Mec, je croyais qu'il y avait encore un état. Comment t'as su que c'était par là? T'as fait au culot? Je pense. C'est juste qu'il y avait. Oh, mais tu pouvais pas savoir. Oh merde, je suis en train de taunt. Qu'est-ce que je fais, putain? J'ai juste vu. C'est un drift. Mais non. C'était pas un drift. Casser les couilles déjà là. Deux virages, il me casse déjà les doigts. Oui, mais tu drifts, je comprends pas. Faut pas drift, tu vois. Mais t'avais commencé pas avec ça parce que. Bon, mais je peux pas faire ça. Quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Eh, va y avoir des patates, hein. Le mec, c'est vraiment sa vie, quoi, le jeu. Parce que clairement, sur la phase du premier coup, je quitte cet établissement, quoi. Oh putain! Sera! Non! Sera! Quoi, Sera? C'est toi! Mais t'es sérieux? T'es sérieux? T'as tourné vers la gauche! C'est qui le pro ici? Oh, c'est pas toi. Ah bon? Oui, bah alors ça. Ah, par contre, tu peux arrêter d'aller sur la gauche au début, quoi. Je vais pas sur la. Je regarde le truc, j'ai. Putain! Et je sais qu'en canyon, je pourrais avoir les Black Series en or, mais le valet, je suis sûr que non. 100%. Waouh! Alors... Oh, 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 oh. Mais non. Mais gros, on était en train de discuter, on était là. En journée, attends, appuie sur rien, on mate le replay. Oh putain. Mais non. Mais non. Dis-toi que là, on discutait, quoi. C'était bien. Mais non, la vie de ma race. Mec, c'est là tu. Waouh. Non, on est trop fort, quoi. En plus. À double. Double driver. Double driver, double yeah driver. Mais c'est incroyable ce qu'on a réalisé ce oh, soir. Oh man. Putain, on a été grave chaud de ouf. Mais regarde, oh, mais franchement, on a pris des trajectoires. Mais on a été monstrueux. J'aurais jamais fait ça tout seul. Incroyable. Allez, piste suivante. Putain. Oh là 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 là. Waouh. Tu sais qu'il y a un mec qui m'envoie des mails. Ah oui. Et genre son nom c'est Jean du Jardin. Et à chaque fois qu'il m'envoie un mail, je suis en mode bah waouh. Putain, il y a Jean du Jardin. Jean du Jardin m'envoie un mail. J'ai fait, il a ouais salut, je vais te demander Zera en fait. Je suis là, ouais bah non. Toujours pas Jean du Jardin. Ou alors c'est lui, genre c'est un abo. Ce serait énorme. Genre c'est un abo, il est en mode ouais, je voulais te demander quelques conseils d'actique. Quoi? 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 Ah mec, on a hit la médaille d'or, je crois. Non, je sais pas ce qui s'est passé. On s'est fait pisser dessus. Il s'est passé quoi en vrai? Je sais pas, on est tombé alors qu'on le fait tout le temps pareil. Mais mec... what? Mais what? Non mais attends. Je fais rien à 100%. Mais non, mais je fais rien non plus. Je l'annonce. Regardez. J'annonce le mytho du jeu. Regardez, regardez. Attention, voir un mytho en direct. Attention dans 3, 2, 1. Pour la chute. Ouais, d'accord. N'importe quoi. En fait, c'est le jeu qui nous drôle depuis tout à l'heure. Merde, j'avoue. Oui, imagine, il y a une IA qui se rend compte. Oh, wow, 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 ok. Ouais, nickel, elle est bonne. Ah, ça continue. Allez, ça continue. C'est fait exprès. All Planet. All Planet. Putain, mais cette map, je dis pépé. Oh putain, je vois que dalle. 100%, il y a une IA qui contrôle. Il y a la troisième manette, la manette. Il y a une troisième manette contrôlée par l'IA. Ah ouais? Pas du tout. Il y a un truc dessus. Il y a un truc de dégueulasse. Ah oh, vas-y. Ah mais s'il vous plaît. Oh non, mais là, on va tous mourir. Non, voilà! Stun, go! Oh c'est beau! Oh c'est beau! Ah oh, c'est beau ce que vous nous proposez, hein. Ah oh, c'est énorme. Oh, oui! C'est... Non! Ah bon? Je suis pris en proie! Non, c'est bon. Attention à la cage! Oh, bien joué! Franchement, j'aurais pas vu, j'aurais pas cru quand même. Oh, c'est bien joué, merci à vous pour cette aide. Oh, c'est beau, c'est beau. GG à vous! Ah. J'ai rien, dommage, bonne chance. Oh là là! Oh non, il a raté. Ça a loupé. Oh, mais gros, j'ai tout envoyé, j'étais pas. Oh, l'aspire. On y... Oh, c'est yes. Chiant. Oh, chiant. Oh, dommage, j'ai pu, putain. Oh, c'est archi chiant. Oh non! Zera, va falloir un move de ta part. Ah non, non, non. Ou alors! Ou alors peut-être! Ou alors peut-être! Le saut! Ah!
Bah du coup c'est du... Oh oui c'est énorme. Oh c'est bon. Oh c'est énorme, c'est énorme. Non. Oh c'est énorme, c'est beau. Je méritais pas ça. C'est parti en couille je sens. Merde. Ah mais j'ai pas l'habitude de jouer avec ça les amis. On a l'habitude de jouer avec un bon ADC donc... Je vais chercher lui. Il y a eu un souci technique. Waouh. Wow. Il y a eu un je pense avoir mis les gars, faut le bosser. J'arrive, bait le. Reste devant lui, fais genre. Ah bah là il peut pas mieux bait là. Fais le guignol, vas-y, continue le guignol, c'est bien. Vas-y, non. Moi mourir, 100%, il est mort. Mais viens, mais c'est quoi, viens. Mais je me suis pris le trap. Oh là là, B-Boy, casse-toi si tu m'entends. Non. Vas-y, t'as un kill. Oh oui, peut-être. Waouh. C'est war. Oh non, elle vient pas. Oh, c'est une guignol elle aussi. Oh non, mais vas-y, t'as pas de race. Vas-y aussi, flash auto-attaque. On note le très beau bait de B-Boy quand même qui s'est sacrifié. Ouais, bah merci, quelqu'un qui a des yeux ici. Je connais parfaitement mes dégâts, messieurs. Putain, bien joué, j'ai voulu flash bait, j'ai raté ma cage. C'est ma botte secrète, je vous le rappelle. C'est vrai que c'est sa botte secrète. Ah mais il a le Medjay, Morgana. C'est vrai qu'il a quand même sorti talon botte. Ah ça c'est chiant quand même. La botte secrète est perdue. J'étais sûr que je pouvais avoir le temps de back. Moi aussi j'étais sûr. À vous. Ça donnait mec, trop envie de... En vrai j'avais le temps, c'est juste que ça lag. J'arrive. Mais non, moi j'étais vraiment à une seconde. Ouais, non, moi. Beaucoup. Genre moi j'étais entre... Tu sais le 1 vous êtes passé, ça faisait 0,7, 0,8, 0... Et normalement à 0,2, t'as le droit de back même si tu prends des dégâts. T'as le droit. Si les dégâts te tuent. Si les dégâts te tuent, bah... C'est vrai que ça te tue, t'as pas le droit. Là j'ai pas l'air suspect, là personne ne me suspecte. Je danse là. Je suis sûr que mon personnage Hitman il danse comme ça en boîte. Hey, ça va? Oh, you're watching the live feed. No, not anytime soon. Hate to be impolite, but could you maybe not be here right? Ça va, je suis caché, c'est bon. Please don't do that. Oh well. C'est bon, tu peux appeler. Hop. Petit mouvement de fesses. Quoi? Ah, il va rappeler. Oh là là. Boring. On va pouvoir mettre le truc en accéléré des fois, tu sais. Terrible. Dahlia, Helmut. Quoi? Not yet. Oh putain, ça va tout recommencer. I think I'm in, but I want to be clear on a few details. Fine, I'll be up after the show. Yes, ciao. Hope you know what you're doing, Helmut. Huh? Ah, ouais. Apparently he's dressed as security detail. Target is within my vicinity. Yes. Eh oui, il cherche un agent de sécurité. Oh putain de merde. Vite. C'est cool. Non mais c'est cool. Non mais normal qu'il m'ait pas trouvé. Il me voit avec un mec en slip derrière un buisson. Ils se disent bon, le monde de la mode, voilà, c'est bizarre et tout. Et les gens ils font des trucs dans les buissons, c'est pas grave. Et du coup ils me laissent tranquille. Je vois pas pourquoi vous êtes scandalisés. Quelle heure il est? Oh putain, il est 55, merde. J'aurai jamais le temps de finir. Parce que je dois vraiment t'es quoi à 21h. Oh putain, non. Ah, je monte avec lui, je vole la vedette. Bonjour. Hey, c'est moi, Kruger. Helmut. Oh, y'a Helmut. Hop derrière, hop devant, hop derrière, hop devant. Qu'est-ce que t'as? Faire semblant de se rendre. Pardon. Ah, n'importe quoi. La foule devrait être morte. C'est n'importe quoi. Sur le podium. Espèce de connard. Ah putain. Là, franchement, ils ont tiré dans la foule comme ça. En plus, il était mort.